Et plop les gens. On se retrouve pour réessayer avant qu'il ne soit trop tard de faire cette zone là. Comme vous voyez, c'est déjà peut-être un peu trop tard. Mais moins que si j'avais attendu encore une semaine de plus, ce qui risque d'arriver pour mes temps de tournage et de stream. Enfin, ça va arriver. Je vais pouvoir streamer plusieurs fois dans la semaine. Donc, j'ai voulu essayer de réussir ça avant de tout perdre. Non, là j'ai fait un gros saut. Et peut-être du coup commencer le chapitre suivant. On va voir combien de temps ça va me prendre. Pour une fois que je dois me remettre pour les fraises. Mince, j'étais chez eux comme un con. Pour les facer, j'avais jamais eu à me remettre dedans. Mince, à chaque fois j'avais enchaîné la réussite de la facer avec sa fraise. Là à la base j'étais pas censé faire commencer ça, mais vu que j'avais réussi à avoir la fraise dorée rapidement la fois d'avant, ben punaise. J'avais réussi ici. Mais quand je vous dis que j'aime pas ce saut, voilà. Soit j'étais trop loin comme trois fois d'affilée juste avant, ou même plus, voilà comme ça. Soit je me le prends sur la tête. J'ai cru que c'était pas parti. Le tout début était pas mal et puis... Oups. Et depuis, je fais de la merde. Bon... Allez. Mais ah, j'ai cru que j'avais sauté là, mais non. Ça n'a pas été comptabilisé. Je suis déception. Petit saut, je n'arrive pas à me décrocher, je n'arrive pas. J'arrive à rien. Oh, je me suis agrippé, j'ai oublié de sauter, punaise. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la manette? Je sais pas. On va dire que c'est moi pour le moment, mais... J'avais bien peur que ce soit la manette. Là, c'était moi. J'ai sauté trop tard. Là, je vais trop haut.
Oh, j'ai cru que je m'étais rattrapé. Mais je me laisse tomber à chaque fois. Ça va pas du tout, pas du tout, du tout. Pareil, à chaque fois, je me laisse tomber. Ouais, faut pas que je lâche tant que j'ai pas... Tant que j'ai pas sauté, c'est le saut qui me fait lâcher, c'est tout. J'aurais dû revenir comme la fois d'avant. Oh, le saut trop haut, le dernier saut trop haut. Cette salle, j'ai réussi à peu près, non? Non. Non, je viens de me souvenir, j'étais peut-être trop déconcentré par le chat la dernière fois, mais j'atteignais rarement la salle 2, et la salle 2, j'y arrivais pas alors qu'elle était censée être relativement simple. Là, à chaque fois, je prends la fraise jaune, mais si je la prenais pas, ça serait pareil. Vu que je meurs dans la première salle... Jazzy là, pas mal, mais allez. Voilà. Ici, il faut bien se mettre sur l'extérieur. Ah oui. Je suis allé que sur la droite, fallait aller aussi vers le bas. Ah, trop. Ouf, c'était chaud. C'est haut, j'ai mal fait le saut, je pense. Voilà, la salle 1. Il a fallu un peu d'entraînement, mais c'est bon. Non. La salle 2, on a trouvé à quel endroit il fallait se mettre pour pas que... pas se prendre le truc trop tôt. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de mort, hein. Juste que c'est pas prévu. Il devrait y en avoir moins que la dernière fois où je n'avais pas vu du tout la zone 3, à part pour finir la première fois. Voilà ça. J'ai dit qu'il devrait moins y en avoir, j'ai pas dit qu'il devrait pas y en avoir. Pourquoi je me suis jinxed? Oh! On se reprend. Voilà. C'est bon. Oh punaise, pourquoi?
Quoi, j'ai plus. Suffit que je le dise, que je pense avoir trouvé l'endroit où faut faire les... Le dash vers le haut pour que ça marche plus. C'est le petit 8 là. Ah, peut-être avant. Un peu avant, ok. J'ai oublié de dasher vers le haut. Vers le haut gauche. Faut pas dasher ici. Non, pas pour moi en tout cas. Voilà. Ah, je suis allé trop loin. Mes 5-10 minutes au début pour faire cette salle à peu près bien, mais maintenant ça va à peu près bien. Je la 100% pas du tout, mais pareil au début où je réussissais même pas le premier saut, là c'est des erreurs d'inattention qui arrivent après. J'y arriverai pas, faut que je réussisse le saut. Bien, je vais plutôt réessayer la partie haute. Oh non, pour la salle 3. Le passage par en haut, ça me... Ça m'indiquera, ça me réentraînera aussi vu qu'il y a un deuxième saut mural après boule rouge et que les boules rouges c'est une vitesse un peu étrange, enfin ça va vite quoi. Ah oh, j'y arrive pas. Ouais, c'était... Là, j'ai réussi d'y aller. Ah, putain. J'ai réussi direct, mais j'ai loupé le dash après. En récupérant la gemme. Attendu. J'avais oublié qu'il y avait une histoire de trop attendre ici. Encore une raison de pourquoi c'est mieux d'enchaîner la fraise dorée.
Non. C'est peut-être beaucoup plus safe en fait de juste maintenir la grippe. Je sais pas. Ah, je suis pas allé assez loin. Ah zut. J'étais en limite. Pendant que j'y pense, j'ai pas changé le titre du stream, du coup on va croire que je suis encore presque à la moitié de la phase C alors que là je l'ai bel et bien. Oh merde, dépassé. C'est le niveau combien? Je sais même plus. Bon après, si ça se trouve le sommet nous fera encore des belles surprises de je suis trop long pour pas grand chose. Si pour vous tuer. Ouh. Ah, fallait que je m'agrippe. J'ai essayé de faire le même saut mural, mais de toute façon j'étais trop loin. Et il me semble qu'après c'était relativement plus simple. J'avais déjà passé tout ce qui était le plus dur. De mémoire, mais j'ai pas spécialement envie de prendre les jumelles pour vérifier. Trop loin. Oui, c'est un peu trop loin. Oui, c'est pas grave. On continue de se prendre des blocs sur la tête. Ouais, chanter sur le jazz, c'est chelou, hein. À chaque fois que je réussis à aller loin. Juste après, il faut que j'ai du mal à passer le premier niveau. C'est pas censé être... Je comprends pas pourquoi. Et à chaque fois que je fais loin... Oula. Le premier obstacle d'après, j'ai du mal. Non. On va repasser par en bas pour le début de la troisième salle. Oh non, je suis repassé trop vite à droite. Mmh.
C'est dur pour pas grand chose. Il dit que je passais en bas à droite et ben j'ai menti. Ah zut. Ok. Oh, trop bas. C'est dommage. Ah, zut. C'est toujours, même si je pense que c'est plus ou moins prévu que ce soit pas possible. On sait jamais que une chance sur je ne sais pas combien j'y arrive. Même si c'est une chance sur 1 million. Si le truc passe en mode pixel et timing parfait et que je l'ai au pif. C'est toujours possible. Après, c'est pas comme ça que j'essaye de faire le jeu en mode les trucs, tous les trucs improbables. Bien entendu. Oh punaise, les pics. J'ai failli oublier. Ouf. Ah zut, j'étais trop loin. Ah, j'étais trop loin, gorgé d'eau. Là, oh punaise. Voilà. Pourquoi j'ai réussi ? Pas toujours. Parce que j'essaie d'être... Ah mince, feignant et pas faire le saut le plus... Le dash le plus tard possible et du coup le timing du coup de pied est pas bon.
Ah, j'ai trop attendu parce que j'ai cliqué trop tôt. J'ai cliqué trop tôt, du coup j'avais pas encore le... la gemme qui me rend mon dash. Hop, voilà. Trop attendu, trop pinglandu, trop... Non, j'ai un dit. Oh, sauter trop. Ça passe bien. Voilà, là j'étais presque trop. Non, oh, punaise. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller plus vers l'avant, plus vers la suite du niveau. Du coup, je me suis jeté dans le vide. Et là j'avais fait un grand saut alors que c'était hyper risqué. Ah, le dernier saut toujours un peu trop. Beaucoup trop tôt là. Petit pixel pour faire les sauts muraux, c'est trop compliqué. Bon là j'ai fini. Aïe aïe aïe. J'avais envie de dire cette fois-ci c'est la bonne, mais je l'ai peut-être pensé trop fort.
Aïe aïe aïe. Mal celui-là. Je le sentais mal. Avec qui passerait pas. C'est que le saut mural sur le pixel ne passerait pas, mais il est passé. C'est la suite qui est pas passée, mais bon. Je n'y peux rien. Oh. Allez, on va y arriver. Et sinon, vous, ça se passe comment ? Vous arrivez à... Vous avez essayé le jeu, vous avez essayé les faces C. Vous avez essayé les fraises dorées. Vous avez essayé le jeu... Où en êtes-vous? Qu'est-ce qu'avez-vous fait? L'avez-vous fini? Et si... Et fini, qu'est-ce que vous considérez fini? Moi, je dois avouer, sur la plupart des jeux, finir la face A, l'équivalent de la face A de Céleste... Je me serais dit que c'est suffisant. Après... Après le DLC Farewell s'est présenté à nous. Surtout il y a le cœur qui s'est présenté à nous. Et qui a dit recommence les niveaux, il te faut. Ah zut. Recommence les niveaux, il faut que tu. Trouve des cœurs. Donc il y a déjà le cœur qui s'est présenté à nous. Farewell qui s'est débloqué. Je suis allé trop à droite, punaise. Farewell qui s'est dit, hey, bonjour, tu veux venir? Je savais que pour faire Farewell, il fallait... tous les cœurs rouge et bleu au moins. Il me semble qu'il faut 16 cœurs. Mais j'arrive plus à sauter. Il me semble que c'est 15 cœurs plutôt, vu que le 16e est justement dans le cœur de la montagne B. Mais ouais, non, pour Farewell, je sais pas s'il faut 15 cœurs, si je crois qu'on n'est pas obligé de faire les faces C, mais tout le monde le conseille. De toute façon, moi, je sais que les faces C sont sorties. Enfin, il me semble que les faces C, en tout cas, sont sorties avant Farewell, donc... Voilà. En plus, il y a deux nouvelles mécaniques dans Farewell. Je vais pas vous les spoiler tout de suite, mais voilà. J'en connais au moins deux. Plus, apparemment, il y a un tuto d'une autre mécanique...
Oh là là. Voilà. Oh, j'allais dire waouh, je suis parti tôt, mais j'ai réussi et en fait j'ai trop voulu rattraper. Aïe aïe aïe. On n'y arrive plus. C'est parce que la pluie tombe fort dehors. Non, c'est pas vrai. Elle tombe fort depuis un bout de temps. Du moins depuis que j'ai lancé le stream. Ah, trop tôt. Fort vu que j'entends des gens qui crient en mode ah il y a de la pluie au secours avec leur gosse. Et j'ai senti la manette vibrer sur la descente. Allez. Je vais essayer un truc. Dans les options, je sais qu'il y a mode photosensible, le compteur de speedrun. Ah oui, on peut mettre par rapport au jeu complet combien de temps on en est, ouais. Ou juste le chapitre. Bah, le jeu complet, c'est bien. Je le savais pas, je croyais qu'il y avait que par. On va voir ce que ça donne. Comme ça, vous avez l'estimation du temps de jeu à peu près. Je sais pas si c'est très utile puisque ça doit très certainement compter les moments un peu. Enfin, ça va compter les moments un peu pause quand je suis sur l'écran et que je parle soit au chat Twitch, soit à la VOD. Donc on peut enlever quelques minutes quoi, mais vous savez, en direct
la progression du chapitre qui du coup se réinitialise dans et de la save donc qui lui est un continu. Voir déjà si ça me dérange pas trop d'avoir un truc qui bouge dans le coin de l'écran tout le temps. Hop hop. C'était trop court. C'est moi ou le compteur de chapitre continue même quand je ne bouge pas encore là au début du niveau? Si, ok, les deux commencent même si je ne touche à rien. Je viens de voir que ça peut me donner une estimation du retard de la VOD. Qui est. Enfin, de la VOD du live plutôt, qui est une dizaine de secondes chez moi. Non, mais en vrai, ça sert pas à grand chose le temps du fichier. Pour les fraises dorées, ça va pas servir à grand chose vu que les fraises dorées c'est forcément un peu format speedrun quoi, c'est vu qu'il faut pas mourir, on peut pas se dire je meurs trois fois à la salle 2, c'est pas grave quoi. Ah, trop tôt. J'en ai marre. Oh, yeah. Non, non, les picous. Messieurs les picous. En fait, le jeu a envie de me dire que je ne respectais pas la fin du niveau, que j'arrêtais pas de dire qu'elle est plus facile que le reste. Du coup, il me fait mourir dessus exprès. En plus de mourir beaucoup plus souvent avant, hein, vu que j'arrête pas de dire qu'avant c'est beaucoup plus dur, donc. Oh putain.
Oh là là, j'étais pas loin, pas loin, pas loin. Allez, punaise, on n'est pas si loin de, théoriquement de y arriver. J'aimerais bien pouvoir dire que c'est fait. Mais ça l'est pas encore, évidemment. Oh. Je me suis agrippé trop tôt. Du coup, je me suis jeté dans les pics. J'ai réussi le monde 2, j'ai réussi le monde du vent 4, je crois. Tu veux bien réussir celui-là? Qui, du coup, doit être le 5. Ah oui, j'ai aussi réussi le monde 3 là, avec Oshiro. Oshiro qui m'a bouffé! Va. Le plus dur est passé, maintenant ce n'est plus que de l'inattention qui peut me tuer. Quoique, il y a le... Il y a encore un blob rouge pixel, saut pixel qui même avec de l'attention, c'est compliqué. Celui-là justement, et se rattraper ici, punaise.
dire que je pensais que j'allais y arriver en... quand j'ai vu la barre des 20-26 minutes. J'étais en mode, peut-être que l'épisode sera court en fait, peut-être que je vais commencer autre chose, ou je sais pas. Eh bien non. Le jeu a décidé que non. Ce serait un épisode complet là-dessus. C'est maintenant que ça se décide si c'est un épisode complet plus, complet moins, complet pile poil. On a encore le temps de le faire finir en moins de 55 minutes, moins d'une heure. Ce qui ferait un complet moins. Mais on a aussi largement la possibilité de mettre 1h20. De toute façon, si vous regardez ça en VOD, vous devez déjà plus ou moins avoir un ordre d'idée. Oh. Ah non, j'ai fait une diagonale gauche, en haut à gauche. Au lieu de... Au lieu d'aller juste tout droit et ça devait passer. On n'y arrive pas du tout pas. Oh putain. Je sentais pas de faire le saut, mais évidemment plus j'attends, plus je n'ai même pas la possibilité de faire le saut. Tellement de...
J'apprends tellement du coup, c'est relou. Et du coup, vu que j'appréhende, je fais nimpe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop, hop. Faut aller à droite, punaise. Je sais fiser le truc et... Ben non. Oh là là, ça te plaît. Poupouli pouli poupuit. Quoi? Elle s'est décrochée alors que j'arrête pas de maintenir la gâchette. Elle ne devrait pas se décrocher. Mais celui-là, c'est vraiment le... l'endroit qui me tue le plus dans la zone 3, quoi. Au global, c'est quand même la zone 1 qui me tue le plus, puis la zone 2, puis la zone 3, parce que de toute façon, bah... faut bien les faire dans l'ordre, ma petite Lucette. Ah, j'étais trop, je le savais. Mais pour la dernière salle... Oh là là, c'est l'endroit qui me tue le plus. Ça devrait le faire, voilà. Et là, on va au bout. N'a pas marché. Mais bon, cette fois-ci, ça va être la bonne. Ouh, c'était juste. Ah, trop pressé. Pim pim pum pim pum pum. Thank you.
Allez, punaise. C'est bon, je dirais plus cette fois c'est la bonne, hein. Si c'est pour crever dans les salles d'avant et plus jamais atteindre la zone 3, le tableau 3, je ne ferai plus cet affront, promis. Alors que j'allais me chercher de l'eau moi en plus. Allez. Oh punaise. Enfin, je me redis maintenant. La VOD, ils savent à quel moment je l'arrête. Ils savent pas si j'ai... si j'ai réussi à avoir la fraise ou pas. Mais moi je l'ai pas encore. Enfin, si peut-être ceux qui regardent les VOD avec au moins une VOD de retard sauront si. En fonction du titre de la vidéo d'après. Allez là, punaise. Et plop le signe, comment vas-tu? Oh punaise, pourquoi j'y arrive pas? C'est censé être une salle simple celle-là. Mon sang, c'est déjà horrible, je souffre mentalement pour toi. Bah, j'essaye en fait la dernière fois. J'avais réussi cette zone-là. Du coup, ça m'a débloqué la possibilité d'avoir la fraise dorée. La fraise dorée, c'est réussir le niveau sans mourir. En plus, j'ai voulu passer par en haut comme à l'époque. Alors que je ne fais plus ça. Donc là, si je meurs sur le tableau 2 ou 3, bah, je recommence au tableau 1. Alors que quand on le fait normalement la première fois, ou sans la fraise quoi, bah, si on meurt au tableau 2, on recommence au tableau 2. Si on meurt au tableau 3, on recommence au tableau 3. Bon, c'est des challenges optionnels, mais comme le sont les faces C. Et vu que je... je pense pas faire les fraises dorées des autres des faces A et B autant que je les fasse sur les faces C, vu que bah, du coup je suis en train d'apprendre le niveau et juste après j'essaie de le faire parfaitement quoi, normalement dans mes streams d'à peu près 2 heures de Céleste. Mais là bah, je suis revenu dessus quasi une semaine plus tard. Et oui, je joue à la manette, je suis sur Nintendo Switch. Tu les feras sur les autres faces, tu pourras pas résister. Peut-être un jour, mais pour le moment... Déjà, je sais que Ladoli et Soda les ont pas toutes, les fraises dorées. Du coup, je suis en mode, même si même des étudiants speedrunners du jeu n'ont pas toutes les fraises, bon bah je peux peut-être fraises dorées, je peux peut-être me passer de toutes les avoir moi aussi. Déjà je me suis dit, j'ai dit que je faisais toutes les faces C qui sont bien dures. J'avais rien dit au début pour les fraises dorées, mais
Mais voilà quoi, apparemment je l'ai fait. On va voir pour le sommet, parce que le sommet en général... il est plus long que les autres niveaux, donc s'il est plus long que les trois tableaux, on va voir. Et j'ai dit par contre que je faisais le DLC Farewell qui est sorti bien après. Et qui pour les gens prend autant de temps que de faire le jeu normal. Sur How Long To Beat, je crois que c'était 8 heures pour finir Céleste et c'est 8 heures pour finir... Farewell. Sauf que 8 heures pour finir Céleste, c'est pour les faces A. À peu près. En tout cas, c'est ce que moi j'ai mis. Je crois que c'était 8 heures. Je dis peut-être des conneries. Mais Farewell, il y a qu'un niveau. C'est pas... Il y a pas les 7 niveaux jusqu'au sommet. Puis... puis le cœur, puis encore un DLC. Apparemment j'ai fait, c'est donc par accident je crois. J'avais dit apparemment je... Ouais, apparemment je l'ai fait, les LES. Je suis en train de faire les fraises dorées. Déjà pour le... Ah zut, j'ai fait la diagonale. Pour le chapitre 2, j'avais hésité parce que je mourrais quasiment que sur le troisième tableau du chapitre 2. Du coup, c'était vraiment long. Chaque essai était long pour mourir. Pas forcément aux mêmes endroits, mais voilà quoi. Zut. Mais ouais, j'aimerais bien avoir les fraises dorées des faces C et puis les faces A et B. Ça sera si j'ai envie de reprendre Céleste. Un jour, ce qui m'arrive très rarement, mince, de vouloir reprendre un jeu. Je ferai peut-être les relais niveaux et puis enchaîne avec les fraises. Et oui, je t'ai dit, je suis sur manette, mais je suis sur Switch, donc je suis un peu obligé de jouer à la manette. Avec les Joy-Con. Les game designers de ce jeu l'ont conçu lors d'une nuit d'insomnie après 40 nuits blanches sous LSD. Je soupçonne. Et bah figure-toi que non, parce que je suivais sur Twitter Matt Thornton. À l'époque, il s'appelait comme ça, je crois que maintenant il s'appelle Maddy. Elle s'appelle Maddy, du coup. Et à un petit peu Noël, je sais plus quoi son nom. Et il postait souvent des bouts de niveau, des trucs comme ça. Et ça a pris du temps. Après, le prototype était pour une lune de Mundare, là. Donc oui, le prototype était lors d'un week-end blanc là de 48 heures. Où... Par contre, j'ai pas testé, mais ce qu'ils ont appelé Céleste 2, j'ai regardé, ça m'a pas l'air ouf. Au lieu d'avoir saut et dash, t'as une sorte de fouet qui fait un peu grappin, je crois. Ou... Je sais pas, ça m'a pas l'air aussi amusant, mais c'est que le format prototype d'Undare, et vu que je suis plus trop sur Twitter... Je sais pas s'ils continuent de bosser dessus ou si c'était juste en test avec cette mécanique et tout, mais en fait ils ont abandonné, je sais pas du tout. Mais ça m'embête parce que si ça se trouve, enfin, du coup en disant que c'était Céleste 2, ils ont ambiancé tout le monde. Après il y a le prototype pour se faire un avis. Donc moi c'est juste un préavis, je n'ai pas fait le proto. Ah zut.
Mais que tu arrives à parler et lire le chat en même temps, franchement, c'est la grande gueule. Je le lis des fois. En fait, je réponds pas forcément au moment où je lis. Des fois, au moment de la mort, je lis et puis je réponds un peu plus tard. Genre là, je sais que je suis en train de mourir, j'aurais eu le temps de lire un message, quoi. Mais t'as dû remarquer qu'il y a certains moments où je m'arrête de parler parce qu'ils sont beaucoup trop durs. Bah, c'est surtout la pièce 3. Hein. T'as peut-être pas remarqué vu que j'y vais rarement. Et lui là. Ça, j'ai beaucoup de mal. Après le reste, ça va jusqu'à la boule, la prochaine boule, où il y a re un truc un peu compliqué à faire. Sachant que moi les lives ça m'épuise complètement, je reconnais pas. Ça épuise plus au début de toute façon. Aïe. Et puis là ça fait une heure d'affilée plus une demi-heure, trois quarts d'heure la fois d'avant, je sais plus. Où je suis sur cette sur ces passages, donc les parties. Punaise! J'ai voulu sauter, la manette elle a vibré, du coup j'ai pas pu. Donc c'est parti là. Ça va. Je pense que je vais quand même m'acheter une manette Switch Pro pour avoir moins ce genre de soucis. Je sais pas ce que c'est, si c'est une déco de la manette ou quoi. Mais j'ai mes autres Joy-Con qui driftent un peu. Faudrait que je aille voir le SAV Nintendo, mais c'est un peu relou. Et celle-là qui... Ouais, ce passage là, ah, j'ai pas eu. Et c'est voilà. Quoi, elle a pas lâché Madeline. Cette technique, je sais pas si tu sais, le signe, vu que t'es pas là souvent sur les lives célestes, je sais pas si tu regardes les VOD. Cette technique, je l'aime pas du tout. Déjà, on l'a appris relativement tard, à un endroit où je me dis, bah, c'est pas maintenant qu'ils vont nous apprendre un truc. Et bah, si. Alors, à la toute fin de la phase B. Mais vraiment, pas au début du dernier chapitre, quoi. Et celle-là, j'ai pas pu sauter. La manette a vibré. Mais à chaque fois, faut pas être trop à gauche sinon on se prend le mur. Faut pas être trop à droite sinon on est trop loin du mur. Désolé, je ne peux pas regarder ça plus de 10 minutes, c'est trop douloureux. Pas de soucis, hein. Après, les faces A, B, c'est moins douloureux, t'en fais pas. Mais la face C, ouais, c'est compliqué, bah c'est un peu les mêmes les plopstex. C'est un peu la même vibe que comment ça s'appelle déjà, Super Meat Boy, où on revient super vite du coup à jouer. C'est clairement pas du tout frustrant de crever, enfin évidemment toujours un peu, surtout quand c'est à la troisième salle. De quoi? Je crois vraiment que ma manette elle va pas bien. Je vais commencer à faire des mix entre le jeu de manette 1 et le jeu de manette 2. Je crois. Comment tu vas, Stex? C'était pas déjà parti du coup? J'ai vu que t'étais sur Civilization tout à l'heure. Je crois pas en live, mais. Ah, j'ai changé de manette après Céleste perso. Ouais. Oui, bah oui, mais voilà. Après, c'est toujours un investissement pour la console. Est-ce que je le fais ou pas, quoi? Parce que là, j'ai commencé Zelda. J'ai oublié son nom. Link's Awakening. J'allais regarder la boîte, mais en fait, il est là. Mais le
Zelda, il n'y a pas forcément besoin d'être super précis comme Céleste. Je crois justement que j'aurais dû prendre la manette pro pour Céleste. Et pas après. Parce que je pense pas forcément rejouer à ce genre de jeu juste après. Et je me suis lancé une petite partie, mais il n'y avait rien qui se passait, donc j'ai stoppé. J'ai une vidéo à faire, faut arrêter de procrastiner. Tu fais des vidéos Minecraft ou autre? Tu fais des montages sur tes vidéos? Zelda après Céleste, je pense que c'est détente. Ouais. Bah Zelda c'est toujours plus réflexion que platforming et tout. Il y a peut-être 4 quests 1 aussi que je pourrais faire sur la console, mais pareil, je pense que c'est relativement détente. En fait, je crois qu'il n'y aura pas trop de jeux qui seront plus exigeants que ça prochainement. Hein. À part Hollow Knight, j'ai encore des trucs à faire, au moins pour voir la deuxième fin, même si je le fais pas en stream. Après, il est sur PC, donc c'est pas les Joy-Con que j'utilise. Et voilà. Pour l'instant, c'est que du Minecraft. J'ai pas grand chose d'intéressant à dire à faire pour les autres jeux là. Ou bah. Moi je dis let's play complet, ça reste intéressant, hein, même si c'est pas monté. Des fois, ça me saoule de me dire je commence un let's play d'un jeu que. J'ai envie de savoir comment ça se passe et puis en fait le gars il se dit ouais mais là il y a une phase de farm du coup bah, je vais farmer on sait pas combien de temps, on sait pas à quel point c'est plus ou moins chiant et il farm je ne sais combien de temps du coup hors live, hors VOD et t'es en mode bah à ce niveau là autant prendre un cheat code pour avoir argent illimité quoi. Ça enlève souvent une partie intéressante du jeu aussi, je trouve. C'est pour ça que mes let's play sont complets. Et que le seul bout que j'ai un peu enlevé dans Céleste, je l'ai mis en x4, x10, je sais pas. Pour l'épisode 9. Bah, c'était où il fallait que je refasse tous les niveaux pour trouver toutes les fraises et tous les cœurs. Parce que bon, refaire les niveaux, ça va, ça, c'est un peu relou. Vous savez à quoi ça ressemble. Vous avez l'accéléré pour vous dire, ah oui, effectivement, il a toujours pas réussi à cette technique-là, à cet endroit-là, ou je ne sais quoi. Sinon, ouais, tu te laisses guider sur d'autres jeux, c'est sympa aussi. Enfin bon. Je ne suis pas un grand fanat de Minecraft, donc je sais pas trop à quoi ressemblent tes vidéos et à quel point... Quoi? Je suis pas allé assez à droite. Oh là là. Et à quel point tu hautes ou pas, ce genre de choses. Peut-être dans Minecraft, c'est moins intéressant de tout montrer par contre. Je sais pas. Je préfère garder les let's play complets pour du stream. Le format live me semble bien plus adapté. Oui, oui, mais genre des fois, je trouve un jeu X mois après tout le monde. Genre même 2 ans après tout le monde. Il n'y aura plus aucun live dessus, genre Céleste. Bon. Là je suis bien 2 ans après tout le monde et pourtant je suis en live. Mais des jeux un peu moins bien, un peu moins... Voilà. Et tu te dis, est-ce que je le prends? Est-ce que je regarde juste un live jusqu'au bout? Mais il n'y a plus de live donc... Voilà. Surtout le live, je me dis, tu peux vite... C'est un peu comme les séries quoi, tu peux vite louper... un épisode et puis après t'es perdu ou t'es absent 2 semaines et le gars il a fait la moitié du jeu donc
C'est comme ça que je le vois. Et chacun peut, et je comprends très bien ceux qui voient les vidéos plus en montée, on évite le farm aux gens. C'est juste que c'est pas comme ça que j'aime. Wow, vous posez vachement de questions. Ben non, mais toi le signe aussi, tu fais des lives, enfin tu fais tes vidéos, c'est... Tu montres tout. Je sais que certains, c'était sur... sur Factorio, je sais qu'As de Pique, des fois il laisse sa base, il met des blueprints et puis il laisse sa base tourner X heures pour avoir tous les coffres pleins et puis il y joue pas, c'est juste que la base elle tourne pendant qu'il est hors live. Pas ça très cool. Ou sur Graveyard Keeper, il a fait un peu la même à laisser ses zombies ou lui-même. Farmer du bois et tout, et après tu le vois le lendemain un matin, live suivant, il a masse de bois qui traîne devant chez lui, qui sont pas empilés dans des piles de bois, tu fais ok. Dans des trucs là, j'ai commencé seulement il y a 2 mois. Ah, t'as commencé quoi il y a 2 mois, les vidéos ou le live, les deux? Simplement que j'ai envie de faire du bon contenu qui intéresse, sinon qui est une bonne part de réflexion, ouais. Ouais, mais de toute façon, il y a... Comment toi tu regardes, je trouve que c'est le créneau le plus intéressant. Je corresponds pas forcément au plus de monde, je sais qu'il y a le plus de monde qui... Les vidéos, d'accord. Le plus de monde aime les vidéos montées où il n'y a pas trop de temps d'attente. Tu montres la mécanique, tu zappes le farm, tu montres l'autre mécanique, mais... Ça fait partie du jeu aussi, des fois, les temps de mou. Même si... Bah, je pensais pas forcément... Enfin... Oh, putain. Par exemple, sur GTA RP, que je suis en train de regarder un peu, depuis peu, les temps de mou, pour un live, je trouve ça super bizarre de... J'avais essayé de regarder un moment il y a 10 mois, peut-être, un truc comme ça, il y a 1 an, quoi. Et puis t'es là, t'arrives sur le live, le gars il est dans une voiture, il dit rien, il se passe rien. Et tu fais ouais mais d'accord, il reste 30 secondes, 2 minutes et il se passe rien. Et tu fais bon bah je vais y aller hein. Alors que justement le format vidéo, même si ça va être très long pour du live GTA RP par exemple. Ça fait beaucoup de vidéos à rattraper, mais tu arrives pas au moment où il se passe rien, quoi. Voilà. Les streams, t'as commencé fin décembre et on est en mai, donc ça fait 5 mois. Ah oui, tu es relativement récent dans ce monde, quand même. En français, yep. Le signe, je fais très très rarement du montage pour ma part, en effet. Après, je joue pas mal à des jeux à histoire, alors les viewers demandent ça. Oui, c'est vrai que t'as des jeux à histoire ou un peu roguelike. Du coup, on peut pas vraiment passer... Non, mais j'ai farmé le roguelike, là. Oui, bah, non. Mais t'as pas t'à jouer sans nous, quoi. Peu de temps que j'ai démarré, ouais. Allez. Après 1 an d'enfermement au Covid, tu t'es dit, bah tiens, si je streamais mes parties. Oh, j'y arrive plus. Bon. Eh ben, je vais devoir jeter l'éponge. Hein. Je le sens mal.
Putain, j'étais si proche. Il y a deux ou trois. Enfin, non, ouais, il y a au moins deux fois, peut-être trois, où j'ai pu. Où je suis mort vraiment à la toute fin quoi. Et encore une ou deux fois, deux ou trois fois suivant. Où je suis mort dans les petits boosts de fin là, dans les gemmes de fin à récupérer. D'ailleurs ce texte en est où dans Céleste? T'as avancé les passés. Voilà, bah voilà. Quand j'y retourne enfin, je sais plus ce qu'il faut faire avec mes doigts. Mais j'étais trop bas. Ouais. Et encore, j'ai fait beaucoup plus près, mais. Bon allez on va juste me chercher un peu d'eau et puis après on continue tout de suite. Ah là j'ai failli oublier de reprendre la VOD. Poutine, poum poum pim. Poupi poupoui. Ah punaise. C'est complexe. J'étais bien au bout, c'était bien fonctionné. Ah oh, punaise. Non. Moi de toute façon à 16h faut que j'arrête au plus tard. Donc au pire ça sera une vidéo de 2h ou presque. Réussi ou pas réussi. Ah oh, punaise. Et si c'est pas réussi, ça va être compliqué parce que je ferai peut-être encore une vidéo d'une heure pour reprendre les marques sur le jeu, sur que je pourrais pas, je le rappelle, enregistrer pendant un bout de temps, pendant une semaine quoi. Et si j'enregistre pas du Céleste le week-end d'après, est-ce que je sais pas encore ce que je vais faire le week-end prochain. Et ben, ça retardera d'un week-end plus loin, etc., etc. Parce qu'il y a aussi Zerbillions qu'il faudra que j'avance un peu. Mais je crois que j'ai à peu près autant d'avance pour l'un pour l'autre. Par contre, je suis en train de faire du Céleste, du coup, pas de Game Over Quest cette semaine. Ah, j'ai pas pris le temps de tourner l'épisode de cette semaine. Après, tu n'es pas aux pièces non plus. Aux pièces ? Yes. Même si tu mets un an à finir, ça fera du contenu. Ouais, du contenu un peu répétitif. Hein. Je suis pas sûr que, par contre, voir un let's play où il y a 25 vidéos ou plus, un an ça ferait quoi? Ça ferait une centaine de vidéos à deux par semaine si je continue ce rythme. Ce qui, je pense, va pas continuer, donc une cinquantaine de vidéos, on va dire, sur un même niveau, pour un même objectif.
Faut avoir la foi de regarder tout ça. Aïe aïe aïe. Tu n'es pas aux pièces, ça veut dire que tu n'es pas pressé. Ah, je connaissais pas. J'ai à peu près compris. Mais je connaissais pas cette expression. Effectivement, c'est pas les lives YouTube, les lives Twitch et les vidéos YouTube qui me payent mon salaire, donc en soi, j'y mets le contenu que je veux. Une épopièce vient très bien dans dans ce contexte. Ça vient de la tendance à être payé à la pièce fabriquée dans les usines. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que le monde industriel peut être... fonctionner comme ça. Ah, trop loin. J'ai trop attendu. Je suis quand même dégoûté là, j'aurais dû recevoir mon upgrade de PC au début de semaine, avoir toute la semaine tranquille pour le mettre à jour et tout. Puis j'ai pas vérifié l'adresse, ils avaient toujours l'ancienne. Donc je vais pas retourner à Paris en habitant à Lyon, alors que c'est un peu le job de la livraison quoi. Donc je suis obligé d'attendre là les 2 semaines, je crois qu'il reste 1 semaine encore. Non. 1 semaine pour que ce soit retourné au vendeur. Pour que le vendeur après me dise est-ce que vous voulez qu'on vous relivre, est-ce que vous voulez être remboursé ou quoi. Et pouvoir dire oui, faut bien que vous me relivrez mais à une autre adresse. Sauf que j'aurai moins le temps. Waouh. De faire des upgrades à ce moment-là. Ah, c'est tellement frustrant de te voir échouer, je crie devant mon écran. C'est pour ça que je reste calme. C'est pour pas que vous crisiez trop. Non, et puis la musique, elle est là pour apaiser, justement. Voilà. Ah, putain. C'est pour ça que tu le fais en live, pour rester calme en sachant que c'est les viewers qui hurlent. On peut dire ça. Ah. Si je suis pas censé mourir autant 2-3 fois d'affilée quoi. Enfin non pas à chaque fois, mais trop régulièrement j'essaie de faire un grand saut ici alors que... Mince, j'ai oublié de sauter. Alors que ça ne m'apporte que la mort. Punaise. Voilà. Tout ça pour ça. Oula, oula, j'ai failli oublier de m'agripper. Non, ça fait 2 ou 3 fois que je me prends le pic là trop loin. Allez, ça devrait...
le faire. Après, il y a justement aussi les speedrunners qui, eux, ont à l'année toujours les mêmes niveaux. Et les bons speedrunners ont, pour certains, pas mal de vues, quoi. Les bons speedrunners pour les jeux intéressants, enfin, populaires, voilà. Donc en soi, la répétition, ça peut faire un bon contenu. Après, si tu dis non, mais mon objectif, c'est pas du tout le speedrun, peut-être que ça va rebuter des gens, je n'en sais rien. Oh punaise. Et j'ai fait un grand saut, c'est pas bon. Mais c'est passé. Et là, ça passe. Hop. Oh, trop loin. Je savais même pas que c'était possible d'aller trop loin là. Oh non! Et Rustex. T'es parti parce que je t'avais demandé où est-ce que t'en étais sur Céleste, c'est ça? Où est-ce que t'en étais des faces C? Qu'il y a quand même un certain attrait hypnotique à regarder. Ouais, bah oui. Mais c'est le problème. C'est qu'à jouer aussi, on est un peu hypnotisé et que des fois, on reste pas suffisamment concentré. Ta Golden, la 4C. C'est celle d'avant, je crois, la 4C. Et ben, GG. Ah, zut. Mais c'est tout, j'ai pas top. Ok, t'y as pas tant joué. La 4C, elle est dure à cause du vent, quoi. Le 4-3-2-1 à la fin, faut se le prendre aussi en main, mais ça va. Les petites plateformes, là. Oh. Ah, t'as commencé Farewell. T'as recommencé Farewell. Ils sont horribles les devs quoi, t'as 4 pixels où faut choper le rebord. Mais là, il faut être collé au bord. Pas trop près sinon tu te prends le plafond, pas trop loin sinon le coup de pied ne marche pas vu que t'es trop loin du mur. Les saumureaux je sais faire mais ces trucs là, j'ai beaucoup de mal. Mario m'a pas appris. Possible que j'avais un peu vu, ouais. Que t'avais commencé ton Farewell. Wallbone, c'est la meilleure mécanique. C'est la pire. Mais je connais pas celle de Farewell, mais sinon c'est la pire.
Oh punaise, mais pourquoi j'y arrive pas celui-ci? Certainement parce que au moment où je fais mon coup de pied, je suis des fois trop loin. Tu devrais adorer ce niveau hein, si tu adores les wall bounce. Y a que ça ici. Je te conseille de passer par en haut. Mince. Le dash vers le haut n'est pas passé. J'ai mis un peu de temps à trouver comment passer la première salle par contre. Désolé du spoil, mais t'es arrivé, j'étais déjà en train d'y faire. Soda m'a aidé sans m'aider, c'était cool. Il m'a juste dit ouais, faut faire une mécanique avancée. Parce que sinon j'essayais de... Oh punaise, la manette qui vibre. Ah, au moment de faire le coup de pied. Sinon j'essayais soit de m'agripper, de sauter par au-dessus. Après, j'ai mis du temps à réaliser que Wall Bones était bien ici. J'ai oublié de dasher. Mais d'ailleurs pour le 3C, j'avoue qu'ils sont pas sympas parce que le... Il faut se mettre dans l'anti-timing des blobs qui montent et qui descendent là dans l'hôtel. C'est... Faut dasher quand ils viennent de passer au milieu. Faut pas dasher quand ils sont en haut, en bas. C'est quand ils viennent de passer au centre, de se croiser au centre. Je suis pas allé assez loin sur la droite, punaise. La manette qui a vibré, donc elle ne veut pas prendre l'entrée du pot. Bon, là c'est moi. Ah tiens, lançant le jeu, je viens de voir que j'ai fait le 6C aussi apparemment. Ah, bonne surprise. Avec ou sans la fraise du coup? Oh punaise! Ton cerveau a effacé cette douleur du coup, tu t'en souviens plus. Ah oh, punaise. 100. Ah. Bon bah je crois que ça va être game over. Hein. Non, c'était plutôt bien en vrai. Ok. Hop oh, punaise. Ah, j'aime pas celui-là. C'est vraiment le pire. C'est moi qui ai oublié de dasher. Il semble avoir appuyé sur le bouton.
La manette commence à lâcher ses mauvais signes. Mais je sais pas, de temps en temps, le Joy-Con droit, il vibre, je sais pas pourquoi. Et évidemment, ça me fait sauter. Tous les sauts et... que j'ai prévu. Saut dash. Mais c'est pas la plupart de mes morts. Là, les deux que je viens de faire. Celle-là aussi, c'est moi. Je l'ai fait le saut, hein. J'étais juste trop loin. Prendre l'autre chemin alors que je suis plus du tout habitué à l'autre. Aïe aïe aïe. Il faut bien que j'attende d'être bien collé et repoussé. Oh non. Je sais plus si j'ai fini le fond de ma pensée tout à l'heure quand je parlais de Hollow Knight en autre jeu dur, mais c'est pas du tout la même difficulté, c'est plus les combats, les adversaires et tout, et ça c'est quand même beaucoup plus aléatoire comment ils vont réagir, et c'est moi mon kiff. J'étais trop bas, j'étais trop bas. Ça va, je tombe beaucoup plus souvent à la dernière salle, au dernier tableau. Loin. Je me demande honnêtement si le fait de mettre des vies infinies à CS, c'est gentil ou méchant de la part des devs. Bah, dans les jeux récents, les vies sont toujours plus ou moins infinies en fait. J'avais vu une vidéo de... J'allais dire n'importe quoi. GMTK, Game Maker's Toolkit, en anglais du coup, vous l'aurez sûrement compris, où il se pose la question, est-ce que le système de vie, ça vaut toujours le coup en 2020 ou pas, et il regarde avec Crash quoi, alors ça emmène de la difficulté, mais en soi là... C'est un peu un reliquat des salles d'arcade en fait.
Parce que t'as plus de vie, tu fais quoi? Bah tu recommences. Là, ça me ferait juste recommencer au niveau du... Ensuite. Ça me ferait juste recommencer au niveau du menu et donc ça me frustrerait et... Et j'aurais pas envie de le finir si tous les 10 essais je devais faire un clic de plus pour rentrer dans le jeu quoi, je pense. Mais bon, t'aurais genre 5 vies au moins, tu t'arrêterais avant de devenir fou. Peut-être. Ah, elle est apparue dans des recommandations récentes. Encore le temps de la regarder. Bah, moi j'aime beaucoup JM Ticket en général, donc voilà. Je ne peux que te recommander si ce genre de sujet t'intéresse. J'aime bien toutes ces vidéos en gros. J'aime beaucoup aussi, il y en a une où il parle beaucoup de Céleste, c'est le mode assisté. Il a fait une série sur les disabilities et tout ça. Et il parle beaucoup de... Enfin, je crois que c'est sur une vidéo en particulier où il décrit bien comment Céleste a un très bon mode assisté. Chose que je veux essayer de me cacher, parce que le but de Céleste, c'est aussi de souffrir. Mais en vrai, je suis d'accord, sur ce genre de jeu, plus aucun intérêt, c'est clairement du Die and Retry. Moi, je regarde pas mal de ces vidéos. Ok. Bon ben, ça va être mes 2-3 derniers essais, on va dire. Allez, à partir de là, 3 essais. Une mort si bête. Non, sérieux? Quand même pas. Bon, on va dire que c'est les essais qui atteignent au moins la salle 3. Parce que sinon, c'est... C'était ridicule. J'étais pas prêt à mourir 3 fois dans la salle 1. Plus qu'un et demi, ouais, c'est ça. Mais sinon, il va falloir choisir entre... Est-ce que j'abandonne totalement les fraises dorées ou pas? Enfin, d'avoir cette fraise dorée là, en tout cas sur les lives, ou pas? Parce que là, je trouve qu'on a déjà beaucoup vu ce niveau. Je trouve qu'on a déjà beaucoup vu sur les vidéos ce niveau, donc je sais pas, vraie question. On verra. De toute façon, je pense que je reprendrai pas Céleste avant un bout de temps. Vu l'IRL, mais c'est aussi ça qui me fait poser la question. Après, tu devrais te tester Yestermorrow, ça sera tranquillou. Je connais pas du tout Yestermorrow. Après, je suis plus visuel, donc il me faudrait les images du jeu pour m'en rendre compte, mais... Mais non, j'avais dit que c'était le dernier. Et bah voilà, je n'ai pas réussi à atteindre la... à valider cette fraise dorée qui nous nargue. C'est triste. J'espère que l'épisode vous aura quand même plu, que vous aimerez quand même la vidéo. Vous aurez quand même envie de regarder la suite. Donc là aujourd'hui, je ne sais pas si la suite ça va être... si la suite ça va être la même chose ou un... le niveau suivant. On verra ça la prochaine fois.
Je sais pas à quel moment je tournerai la vidéo, donc si vous laissez un commentaire dans au bas de celle-ci, je pourrais le prendre en compte, peut-être. Au revoir.